السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد بمناسبة هذا الوباء. بقى في دارك، استغل الفرصة، تعلم شي حوايج. الوباء غادي يسالي بيانتو إن شاء الله، دونك تكون عندك شي حاجة في السيرفيل ديالك. دونك إيسايي دو بروفيتي دو لوكازيون لو ماكسيموم بوسيبل. دونك بيانتو تيرمينيغا بيان سور الوباء، يكون راسك عامر إن شاء الله بمجموعة من الثقافات، مجموعة من المعلومات. إذا نبدأ درسنا هذا اليوم. هو عبارة عن les adjectifs démonstratifs، يعني أدوات الإشارة comme on dit en français en arabe. Bien. Par exemple, commençons par c'est 7 avec un t et 7 avec deux t et c'est avec un s. Donc, ce sont les quatre outils, ce sont les quatre adjectifs démonstratifs qu'on utilise pour montrer quelque chose. Hein? Donc, c'est la même chose que l'arabe. Commençons par, comme on dit en arabe, c'est adewat ishara. Commençons par, premier adjectif, c'est ce avec CE, masculin singulier. Donc, mu'annath mudhakkar, mufrad. Mudhakkar mufrad. Masculin singulier. Ne parlons plus. Exemple, un week-end, cet week-end. Le matin, ce matin. Le garçon, ce garçon. Il est facile. L'autre avec T, C-E-T. Là où il y a un petit astuce, une petite astuce comme ça, c'est un nom masculin, la même chose. Hein? C'est un nom masculin singulier, mais la différence qu'il y a, on utilise 7 avec un seul T lorsque le nom commence par un voyelle. Bon, voilà ici, ce sont les voyelles, les 6 voyelles. Vous le connaissez. Quand un nom commence par un voyelle, automatiquement on utilise 7. Et également on ajoute H, parce que H est considéré comme voyelle. Ce n'est pas une voyelle, mais quand même considéré comme un voyelle. Lorsqu'on veut écrire un homme, on écrit L apostrophe, homme. Au pétale, L apostrophe. Donc c'est H muet est considéré comme voyelle. Bien, prenons un exemple. L'avion. Un avion. Cet avion, on ne peut pas dire cet avion parce qu'on aura le problème de E et près de A, deux voyelles qui se suivent. Bien. L'enfant, cet enfant, I, c'est un voyelle. Instructeur, cet instructeur, O, objet, un objet. Bon, vous voyez que ce sont des noms qui commencent par un voyelle. Automatiquement, on utilise cet avec un seul T, c'est pas ce. Et on prononce 7. Voilà. 7 urbain, le hadari. Et prenons le cas de H. 7 hôtel. Hôtel. Hôtel est comme il est bien sûr écrit en rouge, c'est la même chose que les voyelles. C'est le même cas. Bien. L'autre adjectif, c'est 7. 7, c'est tout à fait facile parce que c'est un nom féminin singulier. Donc, هو مفرد مؤنث هذه البنت هذه المرأة etc. Donc, cette fille, cette dame, une semaine, la semaine, donc c'est un nom féminin. Donc, vous voyez que c'est facile. Mais attention, il vous paraît que c'est facile, mais profondément, c'est pas facile, il est difficile. Si vous confondez les choses comme ça, il faut bien maîtriser les choses. Il faut bien mettre les points, c'est les i. Hein? Voilà. Ce qui nous reste, c'est le quatrième adjectif, c'est C avec S. Automatiquement, quoi que ce soit masculin ou féminin, pluriel. Ça, on n'a pas de problème avec C avec C, S. Masculin, féminin, pluriel. Donc, Mashi Moshke. Ism, homme. Mashi Shurne, homme. Un homme ou une homme. Donc, directement, lorsqu'il y a un S, c'est-à-dire pluriel, automatiquement, C, E, S réunit les féminins et les masculins. Suya, c'est femme. هنا تتبان عملية تسوية بين الرجل والمرأة واضحة للغاية. هنا سويناهم C, C, etc. Pas de problème. Et ces filles, les filles, en gros, la fille, féminin. Mais on peut dire même le garçon, des garçons, ces garçons. On peut écrire même ces garçons. Donc, c'est pour le masculin, le féminin
pluriel. Donc, je crois, chers amis, chers auditeurs, que la leçon, elle est facile, mais faites attention, elle est profondément difficile si vous n'arrivez pas à distinguer entre 7 avec un seul T et 7 avec deux T. Donc, c'est là le problème. Je me dis que au revoir, à la prochaine avec un nouveau courrier. À tout à l'heure.